Coucou les amis, nous sommes de retour. En fait, il n'y a pas eu de vidéo dimanche. Alors pourquoi? Parce que dimanche, il a commencé à faire très, très, mais alors vraiment très chaud. Et une espèce de fatigue. On avait prévu une superbe randonnée où il fallait traverser un champ, hein, quelque part, ouais, c'est ça, un champ, avec où enfin, c'était marqué dessus ceux qui ont peur des vaches, ne pas faire cette randonnée, parce qu'en fait, l'idée de la randonnée, c'était d'aller voir des ruisseaux, tout ça, dans les bois, bah, des trucs super sympas. Mais en début de parcours, fallait traverser un champ avec des vaches. Et que les vaches adoraient venir à la rencontre des gens. Et qu'elles étaient même un petit peu collantes. Et nous, on était super contents, on s'est dit chouette, on va aller voir les vaches. Sauf que. Bah, le temps qu'on se prépare et tout, en fait, dans l'appartement, il faisait lourd, très lourd. Et je sais pas, une espèce de fatigue. On buvait un café et puis amour me dit, je sais pas, mais je suis fatiguée. Je dis, ben, c'est rigolo, moi aussi, je suis hyper fatiguée, je comprends pas. Et donc, du coup. On s'est dit, bah tiens, comme il n'est pas très tard, on va faire une petite sieste. Et puis ça va nous requinquer. Et puis on va pouvoir aller faire la randonnée. C'est le dernier jour, faut en profiter. Et en fait, on s'est réveillé, il était 15h. À peine 15h. Et puis, mais là, la tête dans le pâté, quoi. C'est impossible de décoller. Une lourdeur, il faisait lourd, 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 hyper chaud. Et on s'est dit, traverser un champ avec cette chaleur et tout, ça va être. Non, ça sera pas possible. On était vraiment trop, trop fatigués. Peut-être l'accumulation des heures de marche, des journées accumulées. Donc voilà. Et donc, du coup. On s'est dit, à l'heure qu'il est, c'est le dernier jour, et on s'est dit, bah en fait, tant qu'à faire, autant préparer les affaires et puis on rentre. Et puis bah, on était bien contents. On est rentré, on est parti, donc le temps de préparer les affaires, faire le ménage de l'appart et tout. On est parti à 16h. Et on est arrivé à la maison à 21h. Et en fait, bah, on était bien contents parce que quand on est arrivé, il faisait encore jour. Et bah, voilà, on a profité avec notre fille qui nous a raconté aussi sa petite semaine, enfin tout un machin. On était contents. Et puis du coup, bah, après, on en a profité. Hier, donc hier lundi, on en a profité bah, pour aller faire les petites courses et tout, parce que aujourd'hui, mardi, ce soir, vers 21h, j'ai mon fils, sa femme, et puis mon petit-fils que je n'ai pas vu depuis la naissance, il va avoir 2 ans. Bah oui, parce qu'ils sont pas loin de la Belgique. Donc on se voit très très peu et ils viennent passer quelques jours à la maison. Et donc je suis super 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 contente. Voilà, donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo. Et puis là, bah, je vous montre en fait, ouais, je suis fixée sur cette image. Pourquoi? Parce que à l'heure où je vous parle, il n'est que 8 heures. Je suis debout depuis 6 heures. Parce qu'il fait très très chaud. Hier, on a eu 30, 34 à Londres. Et aujourd'hui, ils annoncent 36.
Et déjà, il est 8 heures, il n'y a pas un pet de vent. Et donc il fait magnifiquement beau. Alors, ce que je suis en train de faire, en fait, j'ai ouvert en grand partout. J'ai maman et puis ma petite poupouille, Elena, qui sont en train de dormir encore. Moi, non, je dois me préparer tout parce que j'ai une guidance. J'ai un rendez-vous à 11 h. Et donc, du coup, voilà, j'ai ouvert tout ce que je pouvais ouvrir pour faire installer quand même une petite. Je vais pas dire une fraîcheur parce qu'il fait pas frais, mais pour faire installer un peu d'air. Et puis après, je vais tout refermer. Cette année, c'est génial parce qu'on a acheté des panneaux. Parce qu'habituellement, on ferme les volets, il fait noir, c'est chiant. Et là, cette année, on a acheté des panneaux qui sont plutôt sympas. Donc, du coup, je vais vous montrer. Alors, quand c'est fermé, en fait, ça donne un petit. Regardez les oiseaux. Eux, ils sont bien, les oiseaux. Alors, quand c'est fermé, en fait, voilà, ça donne un aspect un peu exotique. J'aime beaucoup. Et ça donne une espèce de lumière ocre, voilà, dans la maison. Et surtout, ça garde la fraîcheur. Et ça, j'adore. Bon, tiens, on va faire un petit tour. Un petit tour dehors. Voilà. Des petites maisons qui viennent boire et manger. Elle est venue me voir. J'adore les maisons parce qu'en fait, elles sont pas du tout sauvages. Voilà, tu viens et puis elles arrivent là, elles sont là. Donc voilà, il fait super beau. Et du coup, bah, je crois que pendant bah, toute la semaine là, il n'y aura pas. Vous avez vu? C'est pas des fils qui sont comment dire tout le temps. En fait, c'est des fils qui se règlent, qu'on enlève après. C'est le résultat du retour des vacances. Il faut laver. Voilà. Et donc, oui, je disais que pendant quelques jours, je filmerai pas de choses parce que bah, je vais profiter de mon fils, de ma belle-fille, de mon petit loulou. On va aller au zoo parce qu'on habite à côté, de pas loin de Beauval. Et donc, du coup, après, on va aller bah, à Chambord, hein, le château de Chambord, tout ça, tout ça. On va profiter un max. Donc, du coup, voilà, je vais mettre de côté tout ça. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une très, 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 très belle semaine. Voilà, nous on reprend nos marques. Ça fait bizarre hein, de quitter quand même les montagnes. Et là, hier, quand on a fait les courses et qu'on traverse la Sologne comme ça, on s'est dit, oh, il n'y a plus de montagnes, ça fait bizarre. Il y a toujours les bois. Ça, c'est la seule différence en fait qu'il y a, c'est les montagnes parce que finalement, c'est tout aussi boisé, tout aussi. Bah non, il y a quand même les cascades, oui, les montagnes, les cascades. Oh, j'ai une petite mésange qui est venue me voir là. Elle a dû se dire, qu'est-ce que t'es en train de faire, toi? Elle s'est posée sur le parasol. C'est rigolo. Donc oui, c'est rigolo quand tu pars comme ça, tu es dépaysé quand tu arrives à l'endroit des vacances. Et quand tu reviens, et bah, tu dois prendre un petit temps.
Regardez, elle s'est reposée là. Hop là. Ça, c'est mon petit régal du matin d'observer. Qu'est-ce qu'elle est venue faire sur mon coussin? Qu'est-ce que tu veux faire sur mon coussin, toi, voyous? Elles sont rigolotes. Donc voilà, regardez le soleil à travers l'arbre. J'adore. J'adore ces lumières-là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais vous dire un grand merci à toutes, parce que c'est vrai que c'est la période d'été. C'est la période où beaucoup partent. Et nous, on a été super contents de vous partager nos petites balades à Héron qui vient de passer. Je suis en train de couper. Il y a un héron qui vient de passer. Je ne sais pas s'il est passé à la caméra. Hein. Bon. Oui, remercier toutes les personnes, toutes les filles, tout ça, qui ont regardé les vidéos et qui étaient contentes du partage. Mais moi, j'étais super contente d'avoir vos retours, vraiment, ça faisait plaisir. C'est comme si on partageait des choses pour se faire plaisir les uns aux autres, hein, voilà. Et puis les filles qui ont eu la ref, alors bien sûr il y en a beaucoup, hein, qui ont eu la ref, hein. Il y avait Dominique qui a proposé quelques jeux par rapport au paysage, mais il y en a une en particulier, j'adorais, ça me faisait rire à chaque fois parce qu'elle donnait la ref sans que je demande en particulier pour les films et tout, j'adorais parce que c'était vraiment une communication géniale, c'est avec Aurélia. Alors j'adore parce que c'est les... Oh, oh Aurélia, j'ai plus le pseudo. Alors c'est les cartes d'Aurine, mais je pense que c'est autre chose. Ah, je suis vraiment désolée Aurélia, si tu passes par ici, ne m'en veux pas. J'ai un trou de mémoire, je sais pas. Oh, je sais plus. En tout cas, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi parce que j'ai adoré toutes les refs que tu as données à chaque fois que tu regardais une des vidéos. Tu m'as bien fait rire là, pour le coup, avec les paysans, avec Il était une fois dans l'Ouest et Ok Corral. Tout ça, enfin, c'était génial et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré ce partage, tout ça, donc c'était super. Voilà les amis, on a notre coq qui chante, les oiseaux qui chantent, je pense qu'ils vont arrêter de chanter un petit peu quand il va commencer à faire trop chaud. Je ne sais même pas si on va manger dehors à midi. On verra. On verra tout ça. Et puis, en tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Pour celles qui sont parties, eh bien, bonne continuation. Pour celles qui ne partent pas, trouvez ce qu'il vous plaît. Parce que le fait de ne pas partir ne veut pas dire ne pas faire de belles choses. Et voilà, c'est le plus important. D'être bien dans ce que l'on fait. Profiter en famille, profiter entre amis, profiter juste en couple, profiter juste avec les enfants. Profiter, voilà, c'est le plus important. J'essaye de vous filmer là, les petites mésanges qui taquinent. Elles sont là. Hop là. Et là, on est parti à boire. On va falloir que je leur mette... de l'eau fraîche. Je leur change l'eau tous les jours parce que les pauvres chéris, elles en ont besoin. Bon, je vais vous quitter cette fois, hein, et je vous ai dit
à très vite pour une nouvelle vidéo. Et encore merci à toutes qui sont là, qui me suivent régulièrement. Vraiment un grand, grand merci. C'est vraiment superbe les partages. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.